rediff YouTube, YouTube, pardon. Oh là là, je suis en train de faire un robot parce que Berlingo il est passé au T4 là. Sauf que je sais plus construire de robot moi. Je sais plus du tout faire tout ça là. J'ai oublié entre temps. Hop. Du coup j'essaie de faire vite mais ça marche pas très bien. Est-ce que ça va aller mieux avec un plus grand écart entre les roues? Qu'est-ce que tu fais là-bas toi? Viens là. Voilà, c'était ici, j'ai rajouté 4 blocs de div, j'en rajoute un cinquième pour la bonne mesure. Allez, faisons ça. Ok, c'est bien les streams Robocraft, c'est 30 minutes de gestion de robots et 3 minutes de combat, bien sûr. Je crois me souvenir, je crois que je commence à me souvenir de pourquoi est-ce que je faisais plus de Robocraft avec, avec d'autres streamers. À un moment, on avait fait du Robocraft avec Tom et ça avait pas été terrible, quoi. On avait passé nos streams à faire ça là. Attends, je fais une modif, C'était insupportable. C'était insup. Voilà. Ok, le châssis est basique, mais ça devrait. Ça devrait aller un peu mieux. Ça devrait aller un peu mieux. Normalement. Ok, testons. Ça le fait encore un peu quand même, hein. Bah, c'est déjà beaucoup plus stable. Ok, je suis prêt. C'est parti. Berlingo, je t'ajoute. Et on va queue une game rapide. C'est parti. J'ai un hockey, c'est terrible. J'ai plus d'eau dans ma bouteille d'eau. C'est affreux. Bonsoir Jada, comment tu vas? La forme? Alors, Berlingo, bonsoir. Allô? Je l'ai poule mais c'était une erreur. Allô? Ah oui d'accord, ton micro est désactivé. Allô? On t'entend faire des trucs, allô? Oh attends, ça bug là. Comment il sort? Oui forcément Jada, c'est le week-end. Allô? Allô, c'est bon. Ah ça va, parfait. Bon t'es prêt? Évidemment, moi je te préviens, j'ai un peu amélioré mon robot. Je suis pas du tout prêt, hein. Je pense que j'ai un build là, c'est terrible. Hein. Oh, moi j'ai mis des petits trucs un peu partout pour qu'il soit plus fort. Je pense qu'on va se faire casser la tête. Mais non. C'est mode de capture de base, je crois. Vas-y. Faut rester optimiste. Je l'ai poule, c'était une erreur. Quoi? Mais j'ai pas dit ça. Ça en est où d'ailleurs dans les sondages là pour le let's play de la semaine prochaine là, parce qu'il vous reste plus beaucoup de temps, faut que je fasse un re-up. Tellement peu de gens qui ont voté pour le meilleur jeu quoi. Curie et Berlingo seulement. Terrible. Lego Star Wars. Hop. Ah oui, je le mets prêt. Sinon pas oui, jouer. Faut que tu lances la game. En T4 c'est beaucoup plus rapide pour trouver des parties. Ouais bah tu m'étonnes ouais. C'est viewer, je te jure. En vrai, il a l'air. En vrai, alors je sais pas si c'est parce que je me suis un peu hypé slash nostalgé la gueule, mais Lego Star Wars, il a l'air d'être balèze, hein. En vrai. On veut voir Link et te casser encore la gueule avec nos churros. Mais c'est aussi possible sur Celeste et Hollow Knight, Ruby, hein. Ça. Après, c'est vrai que Link en slip, bon. C'est la classe. Link en slip égale la victoire. Évidemment. Non mais surtout que c'est marrant, c'est vrai que si je fais un randomizer,
Je fous des trucs, genre on sait pas où sont les armures, on sait pas où sont les objets. C'est encore plus justifié sur Céleste. Moi, il y a juste JPP, une question que je me pose sur Céleste, c'est est-ce que je vais pas trop me faire casser la tête? Ah putain, c'est vrai qu'on peut avoir les accessoires aussi dans ce mode de jeu-là. C'est quoi les accessoires? Ah putain, les trucs qui sont pas des armes. Ah, c'est parti. Je sais pas où je vais. Oh là, il est vais. Pas stable, mon robot. Il va tomber. Le Among Us est en train de crever, là. Mais il est trop lourd à l'arrière. Il est pas... Vas-y, va au centre pour aider, ouais. Oh là, il tombe. Il vient de se prendre une balayette. Calme, Ayu. Mais comment ça, calme? Elle a raison. Il faut s'extasier sur les mecs en slip un petit peu, là. Oh là, je me fais mitrailler, c'est terrible. Mes boucliers, ils servent à rien. Je me fais casser la tête déjà, ça y est. Il va se passer des choses à notre point. Au point de notre base, il va se passer des trucs. Comment ça? Bah, il y a des gens qui arrivent. Avec de l'armement. Ils sont lourdement armés, ils sont 3 contre 1. 4. 4, ok, bah je suis mort, je pense. C'est qui me heal là? Oh, mais ils se heal entre eux, c'est horrible, ils sont intuables. Ouais, c'est pour ça, il faut, je pense qu'il faut aller à notre point de base là. Je me fais agresser par une maison. Je suis en train de régénérer ou je suis pas en train de régénérer? Non, je suis en train de régénérer. Ils ont poussé une sorte par une maison. De oui, il y a un mec, ça, son robot c'est une maison. C'est la maison. Ou un château, à voir. Je suis pas très bien pour l'instant, mais en vrai ça va, on s'en sort. Ça joue là. Oui. Attention, ils sont en train d'arriver vers notre base. Hein. J'ai des meilleures armes. Ils sont en train d'arriver vers notre base. Hein. Ouais, là c'est terrible ce que je me montre. Il est mort. Ah non. Oh, mais ils se heal entre eux. Je les ai repoussés pour l'instant. Mais le reste, je sais pas où ils sont. Y en a en l'air, hein. Oh, ça c'est horrible. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils prennent pas leur base? Écarte-toi sur le côté, vas-y. Ah merde, ils se sont planqués derrière un mur. Oh là, y'a bébé Yoda qui m'attaque. Y'a bébé Yoda? Ah, mais y'a un mec qui joue avec le bébé Yoda du shop là, ok, d'accord. Oui. Allez, je dois le tuer avant de mourir. Oh. Ok, c'est, pour l'instant ils sont en train de reprendre leur base, tout va bien. Yoda il est vraiment nul, il a qu'un. Il va falloir qu'on défende le cristal quand il va popper, ça va être terrible. Je vous laisse des bisous tout le monde, des bisous à toi Ruby. Au revoir Ruby. Alors. Hop là. Oh là j'ai une résistance. Ça veut dire plus d'XP. Ça veut dire meilleur. On a des gens qui sont forts chez nous ça. Alors. Quand on peut capturer, comment ça marche le. Quoi, on peut capturer la base ennemie? Non, je sais pas, c'est une question. Ah non, je te parlais de défendre le cristal quand il va popper. Du coup, des bisous, Ruby, je sais pas si tu dis au revoir, mais des bisous à toi. Mais ouais, tu vois, et là, il faut défendre notre cristal là. Donc il... là, il faut jouer au milieu là. Ah, ok. Faut jouer milieu. Allez. Là. Oui. J'y suis. J'attends l'arrivée. Merde. Oh, salut. Oh, il y a le retour de la maison blanche. Mais il a combien de boucliers? Je crois qu'il y a un bébé Yoda, ouais, effectivement, ouais, là. Mais il est nul. Il est pas très bon, ouais. Il a que un fusil et comme il fait 3 blocs, il est simple à tuer, quoi. Oh, ça m'énerve, il a un healer. Il est en train de réparer tout son robot pour me une torture. Il insulte un peu le Yoda. Ça
Moi, je vais capturer ta base, tu me casses les couilles. Hein. Merde, adieu, je m'en vais. Je me fais torturer à l'aide. Je suis en train de cap chez eux là. Oh oui, ça c'est bien. Ça fait bien de la merde là. Oh, il m'énerve le duo tank plus healer. C'est horrible. Le point nearest to our base is under attack. Faut qu'on y aille. Shiro 29 là. Je vais le buter. Pas extrêmement malin comme garçon. Hein. Oh, c'est le retour du healer. J'en ai marre. Oh, putain, il m'a piqué mon kill ce bâtard. C'est faut fort les Gatling, hein. Waouh. Oh, on mourir, se fait là. Piquer beaucoup de bases là. En fait, j'ai oui. Pas vu mais. Ils sont puissants. Le plus gros problème c'est vraiment le duo. Et celui dans les airs. Ah bah, putain, il est en train de me casser la tête, c'est ouf ça. Comment est-ce que je me fais casser la tête par Baby Yoda là? Oh non. T'as besoin d'aide pour voir Baby Yoda? Bah il faudrait surtout qu'on aille reprendre les bases du milieu et du fond là. Mais en fait ce bâtard il m'a niqué mes armes. Il joue pas si mal que ça en fait ce petit con. Merci. Hop. J'arrive dans 2 secondes. Pas de soucis. Oh il y a le healer qui s'est Oh. Oh il est mort, oh. Le healer. Allez, let's go, let's go, on push chez eux, vas-y, vas-y. Je suis là. Hop là, et on capture. Ok. Incroyable. Ça. Let's go. Partons sur la base middle, hein. Oh, ils ont l'avantage. Ouh, ok, ça me tire dessus. Ouais, c'est le gros truc. Ah, ils m'énervent, ils sont encore là, les deux. Vas-y, repoussez, hein. Oh, ils sont pleins. Waouh. C'est bien, on met de la pression ici, là, du coup, ils peuvent pas aller au milieu. Je vais aller défendre le corps. Essayer de neutraliser le mec dans les airs, mais c'est pas compliqué. Ah, il est là. Ok, j'ai neutralisé le mec dans les airs. Je vais venir t'aider contre les gendarmes et les trucs. Tant qu'il n'y a pas le mec qui te soigne, il est facile à battre. Bon, ils ont perdu. Hop, hop, hop. Oh zut, mon robot est bloqué à terre. Non, je peux faire F. On est en train de gagner ça. Quel beau bruit. Noyau défendu. Très bien. De toute façon, ça même si le noyau c'était mort. Gagner. Ça me donne vraiment envie de gagner. J'ai envie de gagner là. J'ai envie de gagner. J'ai fait 5 assists quoi. J'ai fait 0 kill. Oh là, je vais alarme tuer le... Je dois vaincre Baby Yoda avant moi. Non. Oh, j'ai pas qu'à. Let's go. GG. Je pense que j'ai été très inutile. J'aime pas du tout jouer avec des roues, c'est vraiment horrible. Mais non. Ah si, si, dans un shooter, c'est horrible. Inutile. C'est horrible. Pourquoi il regarde. Ah, j'ai juste été battu par KGB Two-Man. J'ai juste battu par mon KGB Two-Man. Les autres, ils étaient nuls. Moi, je vais te like et te fave. Il est trop moi bien aussi. Ton robot, mec. Il y a trop de trucs dessus. Il y a trop de trucs dessus. Je dois aller. Il y a trop de trucs. Salut Léa, comment tu vas? Il doit devenir plus puissant. Il y a trop de trucs dessus, ton robot. Mais non. Ah, oh là si, là, niveau 14, 2 niveaux, donc ça veut dire 2 pièces. Pif. Donc ça veut dire nouvelle arme. Waouh, 7800 poussières récupérées. Oh, je peux améliorer mes petits fusils. Oh, 50 000 poussières et plus 100 000 XP. Continuez. À l'émission journalière, ça fait du bien là.
salle opératoire, est-ce que je peux débloquer des C3 laser des C3? C'est des C5 qu'il te faut maintenant. Oui. Mais j'hésite à direct aller en C5 ou améliorer mes armes en C3. C'est-à-dire améliorer tes armes en C3? Parce que là, mes armes sont en C2, mais mes jambes sont en C4. Ah! Donc, du coup, je sais pas si je fais les ah ouais, jambes, non, fais les armes, C5. Fais les armes. Fais les... Enfin, en vrai, ouais. Tu t'en sors bien, hein, en termes de dégâts. Ouais, pour... parce que j'en ai beaucoup, donc ça va. En vrai, je peux rester comme ça pour l'instant. Je vais être en C5 et puis je vais tout améliorer. Là, je vais peut-être améliorer mon air. Non, je suis pauvre. Alors, je refais un mecha les cocos, mais c'est uniquement parce que je ne peux pas jouer avec les... C'est pas possible. Je peux pas jouer avec les... Il me faut des jambes. Il me faut des jambes, c'est horrible. C'est affreux. Je pense que je vais prendre les pattes d'insecte de type insecte. Hop, voilà. Petite patte d'insecte, là. Oh là, cet inventaire est bien garni. C'est fou. Alors, attendez. On va la refaire. On se refait vite fait une petite plateforme, là. Voilà, un truc tout choupi qui marche bien. Comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va se stuffer d'armes chouettes. Je reviens, je vais me chercher à boire. Yes. Hop, 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 hop. Pipalou, papapapap. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant maintenant qu'on met plus 150 heures à être matchmaké et quand même. C'est pas la grande forme mais ça passe. Ah, que se passe-t-il Léa? Enfin sauf si t'as pas envie d'en parler et dans ce cas-là je comprends quoi mais... Que t'arrive-t-il? Le boulot c'est dur? Ok. Pif, paf, pif. Paf. Paf. Paf, paf, paf. Voilà. On fait un truc un peu esthétique cette fois-ci. On fait un truc un petit peu esthétique quand même, histoire de pouvoir réutiliser le mecha après quoi. D'accord. Hein. Petit souci de santé, j'ai pas pu aller au boulot aujourd'hui. Ah merde. Rien de grave? Si? Bon pardon, mes questions sont peut-être indiscrètes en réalité. C'est très bien comme couleur blanc. Voilà. Tac. Me revoilà. Heureux. Alors. Je suis en train de bourrer pour... je maîtrise, ça y est, maintenant, le métage de châssis, là, je commence à m'en sortir, c'est bon. Mais t'inquiète, prends ton temps. J'espère que les pattes d'insectes, ce sera plus concluant que le truc dégueulasse que j'ai fait. Bah déjà, tu peux sauter, donc c'est bien. Tu peux sauter avec les pattes d'insectes? Bah, je pensais qu'avec toutes les pattes, on pouvait sauter. Je sais pas, mec, on va voir. Hein. Mais maintenant que tu le dis, c'est pas. Rien de grave. Je veux juste augmenter le traitement que je prends tous les jours, putain dur. Bah écoute, force et honneur, comme on dit chez nous, hein, Léa. Attends, je vais tester, si je peux pas sauter, j'avoue que c'est la haine en vrai. Mais je crois que les pattes d'araignée, c'est même abusé parce que ça peut genre monter au mur ou je sais pas quoi. Attends. Oh. Ah, déjà cool. Oh, ce mouvement. J'ai un crabe. Je peux sauter. Ah si, c'est bon. Oh là là. Non mais regardez. C'est beau. Arrêt presque sans lag. C'est beau. Je peux grimper au mur. Oh. Mais mec, je peux grimper au mur, mec, tu te rends compte ou pas de ce que ça veut dire? Tu vas pouvoir harceler les ennemis. Je vais me mettre en haut des colonnes et je vais faire. C'est magnifique, je suis mu par ton robot, mais t'as vu? Mais mec, en vrai c'est incroyable. J'ai un crabe. Je sais pas si les viewers se rendent bien compte de ce que ça veut dire, j'ai un crabe. Regardez, là, cas d'usage, je prends une montagne, hop là.
J'arrive. Oula. Ah oui. Bon, alors je la refais. Je prends une montagne. J'arrive. Et hop, je suis en haut de la montagne. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là 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 là. Ok. En vrai très bien, en vrai je suis très content. Il bouge bien là, le mouvement c'est impec. Mampecciotto. Mais quel bel accent italien. T'as vu? Je me suis entraîné sur Professeur Layton. Voilà. Bientôt bilingue. Bientôt bilingue. Bientôt bilingue option raciste quoi. Est-ce que c'est... J'ai une question les vieux. Est-ce que c'est raciste sur les Italiens? Ils sont pas opprimés les Italiens en France, si? Si, un peu quand même. Les gens qui sont italiens qui viennent travailler chez nous, c'est pas forcément incroyable. Ouais, c'est un peu raciste là, du coup. À voir. Quoi? Je viens de monter de niveau. Juste en. Le jeu vient de me dire niveau supérieur, bravo. Je veux ça. Bravo, je veux ça, mais moi je veux pareil. Je veux les monter de niveau comme ça. Alors attends, on va faire un truc du coup maintenant. C'est que du coup, on va augmenter le nombre de lasers qu'on a là. Ouais, y a plus de toute façon, tout est raciste, on peut plus rien dire, etc. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié Zerder. On peut plus rien dire sans être raciste. Oh, je peux m'acheter un drapeau. Ah, GG. Ah non, en fait, non. Ah non, en fait. Enfin, je peux, mais je suis encore trop pauvre. Ça, c'est... Attends, parce qu'en fait, je peux juste faire ça, en fait. Ah, il est là, le truc de Baby Yoda. Merde, c'est pas celui-là que je voulais. C'était... Ça a l'air bien nul, en tout cas. Putain, il est où, le laser? Atelier. Ah, mais ça, c'est... Pay to win, là. Non, mais oh. Ah oui, d'accord, il faut peut-être que je baisse mon châssis du coup. Ok, ça c'est bien ça. Ah là c'est mieux déjà, je mets plus de laser maintenant. Pierre, tu te fais 3 étages remplis de laser. Bah non, mais alors moi, toi, les C2 en fait ils prennent pas beaucoup de place. Tu vas voir qu'il y a ça aussi comme contrainte après. Ah oui, c'est vrai, les UC2. Quand tu prends des plus gros lasers, ils prennent plus de. Ils prennent plus de place et plus de. Plus de. Bah voilà, ils sont juste plus chiants à mettre sur tes robots en fait. Comment je peux faire là? Bah non, je vais abandonner le fait de rajouter des lasers ici en fait, c'est tout. Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses d'améliorer les lasers ou pas? Tes dégâts, ouais. Si tu regardes, un laser C1... Bah là, j'ai 12 000 coups. Regarde. 12 000 dégâts par coup. Laser C1, 8 000 dégâts par coup. Cadence de tir, 3-13. Laser C2, cadence de tir, 2-5. Mais 11 000 dégâts. Laser C4, 26 000 dégâts par coup, 1-50 de cadence de tir. Donc en fait, tu tires moins vite. Mais tu mets beaucoup plus de dégâts par coup. Donc en fait, ouais, ça sert, ouais. Ça sert, tu remplaces ta cadence de tir rapide par plein de petits coups, quoi. Est-ce que je peux améliorer des trucs? Non. Est-ce que je vais pouvoir placer un laser supplémentaire, vous pensez? Allô? Allô? Tu m'as perdu? Tu m'entends? Allo Bernago? Ah merde, j'ai appuyé sur la touche carré! Comment est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Carré, c'est mon mute. Ah ok, mais ça vient que je t'entendais. Tu m'avais perdu au milieu d'une phrase? Ok. Bernago est mort. Non, non, c'est moi qui étais mort. Ok. Très bien. Et là, au milieu de sa tête. Alors déjà, on va faire un truc hyper important. Ok. On va faire un truc hyper important. Vu que maintenant, des on a accès skins. À 3 accessoires. Non, non, c'est pas les skins. Les skins. Mon skin, il est très bien. Parfait, mon skin. Mais les skins, c'est pour montrer que t'es fort. C'est vrai.
C'est pour montrer que tu as gagné tu as gagné le capitalisme. Exactement. Non, mais au milieu de mon robot, je vais surtout prendre un truc, vu qu'on est passé en C4. Je vais prendre ça, le module d'énergie, et hop. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air cool. C'est trop fort. En gros, tu as un... Donc là, je vais le planquer pour pas que les gens le détruisent. Tu as une relance sur ton énergie. Genre, si t'as plus d'énergie, bah tu dis, Nick, j'en ai encore, en fait. Oh, ça peut être bien. Ça peut être très bien si t'as des armes qui consomment beaucoup. Hop. Hop là, voilà. Je lui fais une petite cage pour pas que les gens le détruisent. Est-ce que les cubes blindés sont vraiment blindés? Je crois que les cubes blindés sont vraiment plus solides. Ouais. Ouais, je crois que c'est vraiment plus solide. Ah bah ça va alors. Ok. Du coup, faut que je solve mon problème de d'équilibre. T'as un problème d'équilibre ? Tombe. Bah, il va vers l'arrière, quoi. Donc parfois, ça peut être un peu embêtant. Oh, je sais. Je mets des ailes. Hop. Hop là. Donc là, j'ai un robot qui est déjà plus solide, qui bouge mieux et qui a des meilleurs, qui a des meilleurs trucs. Après, si le racisme c'était juste Daredevil Chozo avec un pseudo accent de pizzaïolo de jeu vidéo, je crois que les victimes du racisme seraient heureuses. Oui, c'est vrai. Hop là, et là, oh non, j'ai perdu une jambe. Et là, voyez, hop, je suis mis d'énergie, paf, je repars. Voilà. Oui, ma jambe. Donc là, c'est pas mal. Putain, le rien comme ça en fait, ce robot est bien. Hein. En vrai. Oh, c'est terrible. Couleur rouge. Voilà. Logiquement, mon robot ne devrait plus tomber. Logiquement. Ok. Alors. Maintenant, il me faut. On a dit. Les Gatlines, c'est encore abusé, mute. Hein. Je ne sais pas si c'est normal. Ah putain, mais je sais pas, quand j'appuie sur espace, je dois faire ça. Ouais, je pense que quand j'appuie sur. En fait, quand. Mais pourquoi j'ai gagné un niveau? Et pourquoi cet écran il est bugué? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, est-ce que j'ai les gatlines? Mais mec, je gagne des niveaux comme ça, c'est le jeu il est en mode ouais. C'est fou. C'est ça, c'est les canons automatiques, c'est ça? Pourquoi ça ne m'arrive pas ce genre de bug? Attends, encore mute. Ah putain! 2 secondes, salle opératoire, arbre de technologie, alors attends. Il me faut la Gatling C4 du coup, canon automatique C4, c'est ça hein? Confirmé. Voilà. C'est parti. Modifié. Le streamer est un sac. Mais non, mais c'est pas ma faute, arrêtez! Arrêtez, c'est pas ma faute! L'harcèlement. C'est pas ma faute! Est-ce que elle, je peux la remonter un petit peu? Merde. 9000 kilos le truc d'énergie. Eh bah dis donc. Ouais. Ah il pèse son poil machin. Ok. Un beau bébé hein. J'en suis rendu à optimiser l'espace là. Je pense que là je vais foutre des gatlines. Ici en fait. Module fantôme. Canon automatique C4. Oh, c'est immense, ça rentrera jamais. Oh, on peut avoir des angles concaves. C'est moche. Et ça coûte cher. Qui paierait pour ça? Et comment est-ce que je mets une Gatling C4 sur mon robot, vous pensez les vieux? Je ne peux pas. Attendez. On va la faire différemment. Non, mais attendez, on va la faire différemment. Tu fais une petite plateforme à la place du canon central. Je vais reprendre le truc que j'avais fait sur Depardieu. Qui était hyper chialé d'ailleurs, hein, ce que j'avais fait sur Depardieu, c'était incroyable en vrai. Hein. Alors. Et bon, ça va mettre beaucoup de poids à l'arrière là en vrai. Va falloir que je rééquilibre à l'avant et je sais pas comment je vais faire. Je pense que je rajouterai des lasers là devant là.
comme ça qu'on va faire, je pense. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Vas-y, Eldorin, on t'attend. J'arrive pour vous apprendre à jouer, putain, Eldorin, mec. T'as tellement pas idée. Tu viens en T4, hein. On est en T4, hein, maintenant. On est dans la cour des presque grands, hein. Eh oui. J'ai grandi. J'ai évolué. Oh non, j'ai cassé mon chargeur. C'est terrible, ça s'est enlevé. Oh. Gloire à Aldrin, tout de même pas, JPP, on va se calmer. Ah s'il te plaît, un moment, le cul de la personne, c'est moi ou c'est personne, hein. Oh, je l'ai foutu à loin. Merde, hein. Je vais mettre ça dans les règles du chat. Tout culte de la personne envers une autre personne que moi sera susceptible de ban. Hop. Je tombe des nues. Et hop. Et là, ça devrait fonctionner. Oh là là, je suis mécanicien. Oh non mais regardez-moi ce robot, il est incroyable. Attendez, du coup, cette patte là, on va juste la bouger. Oh là, il est... Mec, il est fou, mon robot. Il est fou. Ouais. Mais si, mec. Mais arrête, qu'est-ce que tu racontes, là? C'est quoi ce reniflement plein de dédain, là? C'est quoi ce reniflement plein de dédain, là, mec? Je sais pas, esthétiquement... Tu sors d'où, en fait? T'as jamais vu un robot rapide? Comment ça, il y a des failles esthétiques? Mec, il a aucune faille, mon robot. Putain, t'es en train de raconter des cracks, en fait. C'est ouf, genre t'inventes des bobards, en fait. Non. T'inventes des choses pour le discréditer, en fait. Tu profites du fait d'avoir un public pour me tourner en ridicule. Évidemment. Qui ne ferait pas ça? Yes. Oh, mais mon gars, mais il a aucune faille, ce robot. Bah, il a aucune beau, faille, il... ce robot. Il a un canon plus gros que l'autre, c'est pas beau. Mec, comment ça plus gros que l'autre? Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mais c'est juste les effets de perspective, en fait. C'est bon, en fait. Non mais oui, les Gatlines sont plus grosses que le reste, oui. Non, c'est non, je parle pas de ça, juste... J'ai eu un souci de vision. Je pensais qu'il y avait une Gatline plus petite que l'autre. Oh, les Gatlines, ces gens qui ont des problèmes de perspective. J'avoue, hein, c'est trop fréquent, ça, hein. Entre Curie et Étoile, hein, ça fait déjà deux. Hein. Aujourd'hui deux, demain le monde. Hein. Ok, donc là, il faut que je mette des trucs comme ça. Que fais-tu? Okay. Je suis en train de finir mon arche, du coup, parce que je vais remettre des lasers en haut. J'espère juste qu'il va pas être complètement déséquilibré sous le poids, ce pauvre robot. Très bien. Je dispose désormais d'un arsenal de type armement lourd. Je suis prêt à casser des gueules. Mmh. Oh là là. Ok. Ok. Il est trop bien, mon robot. Mais regardez comme il est ouf! Putain! Il est incroyable! Il faut qu'il tienne debout maintenant. Glorachu, notre maître, voilà. A tout le ban pas, Yumu. Regardez! Il est stable, réactif. Il a une cadence de tir de ouf. Il a de la durée de vie sur son tir prolongé. C'est incroyable. Mec, il a l'air bien quand même. Franchement, mec, il a l'air incroyable. Non, comme je dis, faut voir son utilité en combat. S'il meurt après deux coups, c'est terrible. Mais pourquoi tu veux qu'il meure après deux coups? Non, je veux pas qu'il meure après deux coups. Il faut qu'il tienne deux coups. Mais il tient deux coups.
Faut voir. Il a combien du C là? Après, il faut que je rajoute effectivement des boucliers peut-être. T'as raison. Faut que j'ajoute des boucliers parce que j'ai pas encore mis 2000 UC. Et là, il Attends. suffit qu'on tire sur les petits bâtonnets là, et tu Les perds la petits moitié de ton bâtonnets. armement. Putain. Les petits bâtonnets. Non mais ton arche. On tire dessus et tu perds tes armements Regarde, hop là. principaux. Hop là, mon gars. Hop là, mon gars. Elle est protégée, mon arche. Ah merde, est-ce que j'ai pas le même panneau mais à l'envers du coup? C'est stylé ça. Si. Paf! Non. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait mon téléphone? C'est terrible. Mec, c'est ouf ce que je suis en train de faire. Oh! C'est du génie. Oh! J'ai fait une bêtise. Berlingot a supprimé son téléphone. Non, le machin du chargeur est dans le téléphone, mais pas le chargeur. Comment expliquer? C'est compliqué. Ah mais par contre ça m'a rajouté des millions d'UC quoi. Ok, bon alors je vais protéger cette partie-là qui est un petit peu le noyau central. Et je pense que je vais protéger l'avant. Est-ce que j'ai un gros bouclier électro-bouclier B gauche à pointe? À pointe! Mec, j'ai des boucliers à pointe. Qu'est-ce qui se passe? Mec, j'ai des boucliers à pointe. Ça fait des picots? Oh là là, ça blesse les ennemis, c'est fou. Non, non, c'est juste pour c'est juste pour de la santé. Ah bah c'est nul. Il faut que ça blesse. Alors comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je sais pas où est-ce que ça peut rentrer ça. Je pense que là, je peux pas trop protéger l'avant de mon robot. Y a pas trop d'endroits où je peux poser les trucs quoi. Pire, tu rajoutes des étages. Il est stable et productif, on dirait un pub pour logiciel à la con sur YouTube. Merde. Y a des pubs pour des logiciels à la con? Moi j'ai des tonnes de pubs pour des jeux mobiles de merde. J'ai une pub aujourd'hui en termes de jeux mobiles, elle allait encore plus loin en termes de méta que toutes les autres. Le mec était en mode vous en avez marre de voir des pubs de jeux mobiles de merde où en fait on vous vend pas le jeu auquel vous allez jouer et tu sais il mettait l'exemple des. Vous les avez vus forcément ces pubs de merde là à base de l'énigme à la con. Genre tire le levier, il y a de la lave, fais tomber de la flotte dans la lave ou je sais pas quoi là machin. Ça tu vas sauver le trésor et la meuf, de la merde. Et attends, moi j'ai trouvé un jeu qui fait exactement ça et je suis trop heureux depuis. Je suis en mode putain, mais ta vie est nulle, mec. Genre, ta vie c'est de chercher les endroits où il y a des jeux comme ça, quoi. Bref. Ça m'a rendu triste pour ce gars et ça m'a un peu énervé dans le même temps. Ça va aller. Ça va aller, mec. Ça va aller. Attends. Pas mal comme ça. Pas mal. Ouais. Non, en bleu, c'est mieux. Voilà. Les Gatling en noir. Parfait. Non, c'est moche. En gris? Non, c'est moche aussi. En blanc. Voilà. Ok. Let's go. Bon, il est prêt, du coup, hein. Enregistrer et quitter. Paf. Il faut qu'on lui trouve un nom. Je vais l'appeler le Découpatix. 3000. Voilà. Le Découpatix 3000. Alors on va pull Galadruin. Et on va le pull en vocal aussi. Ce cher Aldruin. Bonsoir, bonsoir. Allô? Ah, il est parti pisser. Allô? Allô? Salut. T'es prêt? T'as un T4? Salut à tous. Oui, j'ai un T4. Est-ce que t'as un T4 aussi fort que le Découpatix 4 3000, pardon? Je sais pas, mais moi mon T4 il fait 18 000 kilos, pas 11 000, tu vois. Donc on parle 18 000? Ok, pas. ok, ok, ok. Donc le mec, il a Voilà. pris tous les cubes blindés du monde. Non, pas du tout. J'ai que des cubes de base, mais j'ai des cubes lourds. C'est que je vois les stats de mon truc. Ouais, c'est stats. Franchement, il est bien mon robot là. Ah, sa santé, j'ai 3 millions de santé sur moi.
3 millions. Ouais. 3 millions ? Quoi ? Attends, 3 c'est millions ? Mais j'ai combien, moi, de santé ? Moi, j'ai 100% de santé. 100... moi, j'ai 100%. Moi, je suis pas mort. La, la valeur qui est écrite, c'est 3 011 400. On peut voir ça où ? Attends. Ah ! Je t'ai battu ! Quand tu es... 3 403 550. Waouh, il a plus de santé que moi. Il va plus vite que moi aussi. 200 km/h, je suis aussi plus puissant et plus beau. Oui. Oh mon dieu. Et tu as plus de boucliers que moi, mais moi j'ai de la classe. Ah, les boucliers ça rapporte hein, en termes de santé. Les tiens, je vais débloquer les cubes lourds là. Non, il y a pas blindé. Voilà, mon robot il est nul. Il y a pas des cubes blindés normalement. Malheureusement, les boucliers ils abîmeraient l'esthétique de mon robot. Les oh, cubes genre blindés. Le gars, ils abîmeraient l'esthétique. Non, je crois pas. T'as les cubes compacts qui sont plus légers. Ouais, et t'as les cubes lourds qui sont juste je crois plus balèzes, les cubes blindés, ils les ont enlevés. C'était dans la première version du jeu où tu sais, t'avais les cubes verts, les cubes dorés. Ouais, 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 ouais. Moi j'avais chopé les cubes d'hélium, j'étais fou à l'époque. Ça, les cubes d'hélium, ils y sont toujours et ils sont particuliers, les cubes d'hélium. Oh, la pyramide, il faut tellement galérer pour la chercher. 1, 2, 3, 4... Moi, j'adore 5. Les trucs du genre l'angle concave lourd, c'est 2. C'est vraiment ouais, dégueulasse, non, vraiment, ça. Merde, vous êtes en train de chercher une game, là, c'est ça? En fait, ça faisait du bruit chez moi, du coup, j'ai cliqué aussi. Comme ça, ça fait du bruit chez moi. Voir la bête. Ouais, on y va, on y va, on y va. Ah bah, c'est la même game que tout à l'heure, très bien. Je vais aller chercher de la flotte à la fin de cette game. Parce que je parle, je palabre, je fais des robots incroyables et voilà. Je dirais pas incroyable mais... Mec ! Il est incroyable mon robot ! Ça y est le gars il a fait un Among Us en robot, il est en mode c'est moi, je suis Elon Musk et tout, tu sais. Mec mon robot il va à 200 km/h. Est-ce que tu te rends compte de ça ou pas ? Un crabe supersonique. Mec j'ai un crabe supersonique blindé. Moi j'ai un Amobus qui vole. Alors d'ailleurs, les crabes c'est comme dans Elden Ring. Pourquoi il y a un appel messenger là? Un appel messenger? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait un truc là, il a fait un truc. On va entendre Elon la Wiz. C'est Elon Musk qui l'appelle. C'est Elon Musk qui l'appelle pour son robot. Oui, je finance le nouveau programme SpaceX Among Us. Oh merde, on est face à Turbo Laser Face. Putain, moi j'ai pas outil mon truc, il me manque combien d'UC? 11. Merde. Oh là, mais je me suis fait déconnecter ou comment ça se fait qu'il y ait des gens qui soient en face là? Il y a des gens qui ont spawné au milieu de la map. Aldrin, t'as spawné au milieu de la map? Non mais j'ai pas spawn en fait. Ah. Là je suis toujours dans le chargement. Hein. Oh putain. Alors, c'est quoi le mode? Élimination. Ah ok. Je sais pas. Je suis mort, je suis foutu. Aïe. Mais c'est pareil, Berlingo il bouge pas. Berlingo? J'ai essayé de te sauver mais je me suis fait... Mais Berlingo il est dans son appel messenger là. Ah putain, il est avec Elon Musk. Merde. Merde. Pas convaincu par le découpe Atix. Bah là j'avoue que je me suis fait découper là. Ah bah je me suis fait découper aussi là, qu'est-ce qui se passe? Non mais là il nous manque la moitié de nos mates là, ça bug. Berlingo, allô? Oui je suis là. Mec, t'abuses de prendre des appels d'Elon Musk. Mais désolé, c'était ma mamie. Ah, du coup la partie est finie, Berlingo. Ma mamie, c'est bon, ça va, on sait, hein, on connaît. Hein. On connaît le coup d'évasion fiscale, seul, c'est là. Bon, ça marche. Hein. Bon, je reviens, ah bah oui, il reste plus que toi. Oh c'est terrible. En fait, Chou t'aurais pas dû foncer sur la map alors qu'on était pas là. Oh c'est terrible. Attendez, donnez-moi une seconde. Mais c'est la fin pour moi là. Ah bah oui, de toute façon t'as fait partie de l'équipe alors. Oh là là.
Oui, il faut que j'ajuste un truc par contre, c'est que mon robot est beaucoup trop lourd à l'arrière. Soit tu détruis l'arrière, soit tu rajoutes des trucs à l'avant, mais beaucoup. Non, mais je vais. C'est à cause de tous mes. De tous mes Gatling que j'ai mis sur l'arrière. Eh ben, magnifique manche. Où nous avons fait 0 kill. Et on a gagné rien du tout. J'ai fait 300 dégâts. Waouh. On serait cru à l'E3, on nous a vendu du rêve et au final c'était une Fallout 76. Ah là 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 là. Il nous a traité de Fallout 76 quoi. D'ailleurs à propos de 3, vous avez vu Zelda Breath of the Wild 2 repoussé? Bon Dieu. Début 2023 il le repousse. Il se donne une saison de plus. Tant que le jeu est bien. Tant que le jeu est bien. Faire je sais pas quoi. J'ai toujours en chargement depuis tout à l'heure, je ne reviens pas au menu. Ah. C'est la fin. On a perdu. Oh ce jeu est tellement buggé quoi. Nous avons perdu Eldorin. Ah, ça y est, attends. Attends, mec, toi, t'as des problèmes avec ton jeu là, je sais pas ce que t'as, hein. Ouais, mais je sais pas ce qu'il y a. J'en ai des boucliers, parce que finalement, c'est qui a besoin de boucliers? Ah putain! Qui s'est passé? Là, mon robot il est équilibré. Oh, il est clean. Trop de poids vers l'avant? Non, pas possible. Pire si je mets des roues sur le dos, comme ça, quand il tombe sur le dos, il peut quand même rouler. Il a retrouvé la connexion au serveur. Ah non, il est déséquilibré vers l'avant maintenant. Tu perds un Amogus quadrupède. Oh non, un plan incliné, ma seule faiblesse. Non, mais en fait, il est déséquilibré. Il pèse trop lourd à l'avant. Je vais faire ça. Merde, alors attendez. J'ai la solution. C'est parti pour moi, je pèse trop lourd à l'arrière. On a plus qu'à. On a plus qu'à fusionner nos robots et hop, c'est bon. Fusionner. Ça va être magnifique. On va se faire une Gurren Lagann. On va prendre le robot, on va l'encastrer dans l'autre et ça va fusionner. Incroyable. Déjà, ça va être magnifique. Alors du coup, maintenant, il faut que je... Alors attendez, non, mais regardez le génie. Vous êtes prêts ou pas? Parce que là, si après ça, la mamie de Berlingo ne m'appelle pas pour financer mon projet, je sais pas ce qu'il faut. Déjà, essayer de nous prêter de rêve là, pas passé, ça a pas trop marché, non? De quoi? Et voilà. Berlingo? Et voilà. Il est mort? Allô? Allô? Je crois que c'est Elon Musk qui a recontacté. Allô? Oui. On t'avait reperdu. Elon Musk est revenu? Ne t'inquiète pas. Non, c'était. C'est autre chose. Donc là, on est sur des cubes qui sont 7 fois plus lourds. Et j'ai concentré des cubes plus lourds ici. Là, c'est fou. C'est l'arrivée de la technologie en France. C'est incroyable. Vous vous rendez compte ou pas? Comment ça, l'arrivée de la technologie en France? Mec, tu te fous tellement de la gueule de mon pays en fait? Mais non. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Jamais j'oserais. Alors, est-ce que je peux mettre des jambes? Non. On peut plus mettre des jambes. De toute façon, on peut plus rien mettre aujourd'hui. Hop. Oh là, ça va être magnifique ce qui va se passer. Ça va être l'innovation. Avec un grand I. Oh, je peux toujours pas. Comment ça chevauche une autre zone? Ah oui, en effet. Hop. Voilà, il se transforme, il se métamorphose, c'est beau. C'est comme un enfant qu'on va grandir finalement. Ok, je suis en train de faire des ajustements, moi-même je suis pas sûr.
Oh là, c'est magnifique. Oh non. J'ai plus du... Du E. Ok. J'espère que ça va marcher. Je pense que... qu'il faut pas que j'accélère trop. J'ai assez de U comme ça. Oh là là, c'est beau. Le premier Among Us quadrupède de l'histoire. C'est magnifique. C'est... Ça m'émeut. Et toi, l'émeut. Oh, wesh. Oh. Putain, ça y est, il n'y a plus de respect, c'est fini. Il a bâché une fois. Il a bâché une fois la France, c'est fini quoi. Plus de respect. Il me manque un cube à mettre, vas-y là, ça me casse les couilles. Est-ce que je peux rajouter des armes? Tu es fort vulgaire. Complètement, j'assume. Voilà, là au pire, je mets des armes corps à corps sur les quatre pattes. Voilà. Vous avez vu le chat comme votre streamer est vulgaire? Vous avez vu? Comme il est vulgaire? Alors, normalement, ça devrait aller. Oh, mais j'ai pas assez de U. Et pour ça, il me faut des Wobbits. C'est bon! Des Wobbits! Donnez-moi des Wobbits. C'est trop chiant le truc de Lucien. Putain, vous avez vu? Je l'ai juste équilibré quoi! Le streamer est un vulgaire sac. Non, mais vous avez vu comme je l'ai équilibré là? Je l'ai pris et... Merde. Bon, j'imagine que ce genre de truc il aime toujours pas trop quoi. Aïe aïe. En vrai, faire un robot à la fois qui a la classe, à la fois qui est efficace, c'est... Putain, ça reste encore compliqué, hein. Et il est quoi? Il est très pentu, ce plan incliné? Ah oui, il est très pentu, ok. Non, mais il y arrive, hein, il y arrive. Hein. Juste, bon, voilà, c'est approximatif, quoi. Bon, c'est pourquoi Elon Musk ne m'a pas encore appelé, quoi. Mais en vrai, il... Ah ok, très bien. Allez, c'est bon, il est prêt. Il est prêt, c'est le découpe ATX 3000 est prêt. Si tu fais pas au moins un kill, remboursé. Mais mec, t'as fait 0 kill sur la game d'avant, t'as pas le droit de faire le malin. Mais j'étais en 1 contre 10 000 aussi. J'étais en 1 contre 10 000, j'étais avec ma mamie au téléphone. Voilà, aucune excuse. Aucune excuse, mec. Aucune excuse. Aucune excuse. C'est reparti, même mode de jeu. Putain, on en a pour 16 minutes à se taper ce mode de jeu là. Quel enfer! Du harcèlement. C'est du harcèlement? Pour en parler. Putain, on a Kim Jong-un dans notre game, quoi! Bah, ça va! Bah, non. Ah, oui, si, il est de notre côté, c'est bon, il est de notre côté. Ça va. Tout va bien. Si les adversaires gagnent, ils meurent, de toute façon. Donc. Il va directement envoyer sa grosse nuke. Il va directement envoyer sa grosse nuke! Ah, du coup, ça fait du T3, T4, T5 en fait. Là, c'est injuste. Ouais, donc en fait, il faut être T3 pour commencer à bien jouer quoi. Non, mais Berlingo, ton robot il fait 1300 UC. Mais Léopold aussi, on lui dit rien. Ah non, c'est Léopocord. Ouais, c'est censé être un léopard, je pense. Mais c'est ce que j'ai plus de. Oh putain, c'est un robot soigneur, léopard. Quelle horreur. C'est un robot soigneur et corps à corps. Oh là. T'as plus de robits, comment ça t'as plus de robits? Je suis pauvre. Et comment donc ça, je peux pas. Mais du coup je peux pas améliorer l'air, du coup sans air je peux pas ajouter des trucs qui me permettent de rajouter des cubes ou des boucliers. Ah ouais. Bah ouais. Bon j'ai oublié hein. Bon au moins j'ai un robot quadrupède. Hop là. Mec ton robot. C'est Optimus Prime mélangé. Tu sais, je vois bien le thème de Thomas the Tank Engine là. Poupililou, pililou, pip pip. Balapapalalala. Oh, y'a des avions, faites gaffe. Cassez-vous, putain, y'a des avions. Mais je me fais tacler deux fois d'affilée par le même mec. C'est terrible. Arrêtez de me rentrer dedans. Oh là là. Oh là.
Il faut que je règle un problème de... Je rotation, parce que là... Oh, ça va plus. Plus rien ne va, c'est fini. Casser la tête. A l'aide, à l'aide, à l'aide. Il y a Metal Mort qui m'attaque. Là, ça rame. Aidez-moi, s'il vous plaît. Waouh. Ah merde, je me suis barré alors que le healer il était en train de remonter. C'était moi le healer. Quoi? Mais non, BSH9, c'est pas toi? Ah non, c'est toi, putain, le Star Destroyer, j'avais pas vu. Genre toi, mec, y'a un mec qui lance des bombes là-haut. Ok. Mais bon, je fais un peu comme je peux, hein. Ah, y'a quelqu'un qui me vise avec des... Mec, tu feras gaffe, t'as pas une très grosse cadence de tir. De quoi? Tu feras gaffe, t'as pas une très grosse cadence de tir. Tiens, tu peux me s'il te plaît? Ouais. J'aimerais bien. Putain, on les a éclatés. C'est quoi ce truc? On dirait une vache de Transformers. Mais comment ça, j'ai fait que 492 de dégâts? Pitoyable. Mais j'avais des 12 000 qui apparaissaient sur mon écran. Non mais parce que c'est en fait tu multiplies par 1000 les stats de combat. Ah ok. Bon moi je me like hein. Et je me mets l'étoile hein. Par contre t'avoir healé, oh, ça m'a pas donné beaucoup de points. Genre je t'ai fait survivre toute la partie. Bon, faut que je règle un problème de rotation de mon robot là. Ça ne va plus. Quand il tourne, il fait en 360 degrés. Ça, j'aime pas. Non mais mec, ça ne marche pas ce que t'as fait. Mais sinon, il tombe en arrière. Mec, t'as fait un centaure, c'est terrible. Bah au moins, c'est... Oh, pitié. Putain. Ah, je peux améliorer l'air. Bon, maintenant il pourra respirer. Ah non, je suis toujours pauvre. Ah oui, moi aussi. Moi, il faut que je le fasse améliorer mes airs en vrai. Vas-y, j'ai amélioré son air à lui. J'ai une air de 1350 et je suis à 1333. En gros, tu peux aller à 2000 et après, quand tu l'améliores, ça passe à 10 000. Et après, tu peux plus l'améliorer. Et le 10 000 ne te sert pas à grand chose parce que ça te fait des titans en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'est pour faire des titans en fait, améliorer l'air. Ça sert à rien sinon en fait, hein, Berlingo. Oh, je mets des pierres. Ah si, il faut l'améliorer jusqu'à 2000 à la base. Et l'améliorer jusqu'à 2000, ça coûte très cher. Ah ouais, mais oui, parce que nous, on a des airs directement à 2000 parce qu'on avait commencé à jouer au jeu. On les avait améliorés à l'époque. Ah putain, ouais. Mais on les avait pas améliorés à l'époque. Si, on si, les si, avait on à les 2000. Avait améliorés. Ah non, bon non, on a dû les améliorer. Au tout début, on les avait à 2000 et la dernière fois qu'on s'était remis à jouer, on avait dû les améliorer. Ça nous avait coûté masse de poussière verte parce que c'est genre 200 000 de poussière verte pour améliorer une air à 2000. Et du coup, gagner un combat en équipe, match à mort en équipe, on s'est fait niquer quoi. Si je mets un cube là. Hop. Hop. Voilà. Ici, on va faire une arche qui réunit. Ah ben, j'ai plus assez du C. Moi je réfléchis. Moi je réfléchis. Moi je pense qu'il est bien mon robot là. Oh, j'ai l'air d'avoir une idée. Une idée. Est-ce qu'il faudrait pas effectivement hein, que j'aille mettre de la boutique d'objets, j'achète des skins, genre siège de pilote, j'achète un pack IE de chat. Il faut du premium. Un pack IE de chat. C'est fou. C'est bon, j'ai une idée. Il me faut juste de l'argent maintenant. C'est du premium, Chou. Je pense que j'achète le premium, j'achète le pack Yeux de chat et je le renomme en Miaoutix 3000. Est-ce qu'on peut faire des dons de Robits? Des dons de Robits? Non, tu peux en acheter pour 400 pépettes. Tu peux acheter 100 000 Robits. 400 pépettes, c'est 4 euros. 500 pépettes, c'est 4 euros. Oh, incroyable. Non, merci. T'as 1000 pépettes, c'est 8 euros. Tu te fais même enfler d'un centime. Du coup. Attends, mais c'est ridicule, je comprends pas. C'est 3,99€, c'est 500 crédits. Donc ça, les 1000 crédits, c'est 7,99€. C'est-à-dire que tu te fais niquer d'un centime. Donc c'est même pas une bonne offre. Et ils te mettent sauver 40%, genre comme si... Euh...
Le calcul est pas bon, Kevin. Autant les 2000 crédits à 12 euros, je comprends qu'il y ait du pourcentage, mais là, il y a une erreur au milieu, là. Le calcul est pas bon, Kevin. Ouais, j'ai jamais été doué en maths. Je comprends pas. Bon. Bref. Let's go. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Berlingo, attends, il est prêt. Attends, une seconde. Aldrin met plus de guns. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Rajoute des guns. Tu prends des guns et tu mets des guns sur tes guns. Ce serait bien si la vraie vie ça fonctionnait comme Robocraft. C'est-à-dire, tu rajoutes des guns? Sur ta voiture, après tu tues des gens, puis t'as l'air. Putain de merde, what the fuck. Ok, d'accord. Après, tu as encore plus un aventure que je suis encore, d'accord avec ton concept de la vraie toi, vie, ce serait mieux. Mais... Ouais, je suis pas après, hyper. Pas tuer hyper. Hyper convaincu. Hein. Bon, je suis en train de placer à 2 fois que tu es. Ouais, je suis pas non plus hyper attaché à ton concept là, mon cher Berlingo. Désolé. C'est de l'argent facile. Comment dire, comment ça, c'est de l'argent facile? Après, il est suisse quoi. Non. C'est-à-dire, c'est de l'argent facile. Ah, tu mets des cubes sur ta voiture et puis tu combats d'autres voitures et t'as de l'argent. Je vois, d'accord, ok. Tu fais des combats de voitures. Exactement. Comme Pokémon en fait. Oui, mais voiture. Sauf que là c'est pas comme des... Pokémon avec des voitures. Là, c'est... Quoi, sauf que là c'est pas de l'abus animal quoi. Oui. Ah putain, c'est comme ça qu'on fait. C'est le clic droit, j'ai retrouvé. Si jamais vous avez des questions, c'est le clic droit. Ouais. Pour tout peindre. Ah, faisons une jolie liaison là. Oh là, je suis bloqué, j'ai une super idée de projet. Faut que je la note. Ça, je n'oublierai pas. Mon projet de robot. C'est un camion à Mogus. Mec, c'est déjà ce que t'as fait là en fait. Oui, mais. C'est une meilleure version. Ah oui. Mais là, c'est un manque de budget. Là, c'est un manque de budget là, actuellement là. Ouais. C'est la défaillance. Je comprends. Après, tu passes un petit coup de fil à Mamie Elon et c'est bon quoi. Malheureusement. Mamie putain, vous avez lancé la queue là, c'est ça? Ah bah oui. J'avais pas fini. Enfin, moi elle est lancée depuis tout à l'heure, je crois, parce que moi j'entends blip blip depuis 4 heures à peu près. Attendez, pas un petit bip qui traîne. Bah forcément, c'est toi qui étais dans la queue. Attendez. Je suis en train de passer entre mes cubes là. Je sais plus où est-ce que je suis. J'ai mon cockpit là. Blah. Blah. Hop. Ça sert un peu à rien ce que je suis en train de faire. Mais... Si jamais je me retourne, faut que ce soit beau. Ici, plein de fusils. Ici, tac. Ici, voilà, ça, alors là, on met des pistolets. Là, je mets des pistolets partout là. J'adore les pistolets. Ici, on met des boucliers. On voit que c'est un Suisse ça aussi. Hein. Je ne suis pas pourquoi Suisse. T'es pas Suisse? Il aime les pistolets. Il est pas Suisse, il nous a menti. Non, je suis belge. Ah non, t'es belge, putain. Ah non, mais toi, voilà, belge, c'est Lightane qui est suisse, non, putain. C'est Lightane qui est suisse. C'est terrible. Oh, c'est ah Auron qui est suisse aussi. Auron et Ruby sont suisses aussi, oui. Oui, donc il y en a 3 qui sont suisses et t'en as un qui est belge au milieu, genre pour. Non, nous... 2. Il y a JPP oui, aussi en belge. Il y a JPP, hein. Ouais, mais JPP c'est Belgique, le belge, c'est tu vois. Pareil, donc, oui, JPP c'est le belge, c'est vrai. C'est vrai, JPP c'est the belge. C'est the belge. Attendez. J'ai fini presque. C'est bon. Ok, ça veut dire quoi ça? Mais rien, il faut pas l'écouter, Aldrin, c'est une mauvaise langue. Voilà. Ça veut dire que tu es notre référence de la Belgique, JPP. Oh, putain, dans 5 minutes, ça change de mode de jeu. Vite, faut qu'on se dépêche de profiter de cette partie.
Non. Si j'aime pas du tout ce mode là en vrai. Les parties sont trop courtes et pas assez intéressantes. Mais le jeu est pas fait pour ce genre de mode. C'est-à-dire? Je sais pas, mon robot il meurt trop vite. Gerber. Ton robot est pas fait pour ce genre de mode. Oui, mais du coup c'est. Et voilà, oui, c'est ça le problème. Mais par contre, du coup, en fait, moi, j'ai remarqué que les cubes lourds, ils consomment pas plus du C. Non, mais c'est ça que je trouvais bizarre. Est-ce donc que... en fait, t'as aucun intérêt à pas en mettre, en fait. Non, les cubes lourds ne consomment pas plus du C, mais ils n'ont pas plus de PV non plus. Ah bon ? Mais c'est arnaque. En fait, ils sont juste lourds au sens du poids, parce qu'ils te permettent de rééquilibrer ton robot en mettant qu'ils ont à plus des de PV. Endroits. Non ? Alors, s'ils ont plus de PV, dans ce cas-là, le problème, c'est que comme ils sont lourds, bah, il faut de quoi les soulever pour avancer. Ouais. Oui, mais ça, avec des jambes, c'est bien. T'en bats les couilles, oui, mais tu mets des jambes. Oui, mais ça fera donc des jambes avec plus du C pour soulever des cubes lourds que ouais. Pour soulever des cubes... Ouais, mais quand, quand t'as des jambes T4, c'est bon, quoi. Voilà. Mais je pensais que t'avais pas plus de PV, par contre. Bah, il faut que je regarde, bah, parce que sinon, il faut que je refasse mon robot entièrement en... Genre moi mon destroyer là il a pas mal de cubes lourds et en fait il a ça se voit pas du tout de l'extérieur mais il a 200 000 blades en ah, fait. Ah putain Aldrin t'es encore bugué. Non je suis pas bugué c'est juste non. Que je mets 4 heures à charger. Ouais. Ok. Bah, du coup avance pas trop Berlingo parce que Aldrin est pas chargé. Ah, en fait c'est juste que la partie elle m'attend pas en fait. Genre merci la partie. Oh là là, oh mais c'est terrible quand je tourne. Mais en fait les jambes sont pas. Oh. C'est terrible. Oh non. J'ai des petits problèmes de... à l'aide. C'est compliqué la rotation. Ah mais en fait, faut pas que je tourne avec les touches. Faut que je tourne avec l'aide. Oh merde, on a un allié qui est mort. Oui. Et il y aura bientôt une deuxième. Oh putain. Oh non mais... Oh Eldruin, tu m'as mis un tas. Y'en a qu'on flanqué là, je prends la merde. Tu vas t'aider. Oh, je me suis sacrifié. Tu veux venir me sauver? Tu veux venir me heal? Il faut que tu heal vers la gauche, je pense, en vrai. Oh là, c'est fou. Libère l'ingon plus haut. Je suis en train. Et il faut que tu viennes m'aider dès que tu peux après. Ouais, j'arrive. Attention, il y a un gars derrière moi, je suis en train de heal. Non, c'est de le chuter. Aïe, je suis mal barré, je suis trop mal barré, je suis sur le point de crever. Berlingo, tu peux m'aider ou pas? Je suis pas là, je dois. Attends. Aïe, je suis mort. Il y a eu un bombardement nucléaire. Oh, on s'est fait casser la tête. Oh. J'essaie de te heal, Berlingo, mais. T'inquiète, attends, Nomai t'as pas géré hein. Aldruin t'as fait 2 kills mec, Nomai t'ont pas géré hein. Quoi t'as terrible. Fait 2 kills mec, t'étais en train de nous soigner? Bah là je suis en train de me faire défoncer parce que... Oh mon dieu. Je peux rien faire, j'ai plus d'armes. Non mais ils sont à 5 contre 1, à 5 contre 1, tu peux rien faire. C'est terrible. Bon, ça y est, j'aime mieux cet outfit que j'ai fait sur mon destroyer. Mec t'as fait 2 kills là. T'as fait 16, t'as fait 1600 fait des... dégâts. Quoi? Mais comment tu fais des dégâts alors que tu soignes? Mais comment t'as fait des dégâts alors que tu nous soignais mec? Bah parce que avant que vous preniez des dégâts, j'ai fait des dégâts. Parce que j'ai pas que des soins sur mon truc, les soins ils sont secondaires. Je pensais non que mais mec, que des mais soins. Tu peux pas avoir fait 1600 dégâts si moi j'en ai fait 516. Bah c'est qu'il est meilleur que toi quoi. Je sais pas, j'ai tiré dans les gens au lieu de m'attaquer au mur. Mais mec, je m'attaque pas au mur, arrête, t'es dans la bulle. Le glacier avait insulté la mère de Pocket. Mais non mais quoi? Mais je comprends pas mec. Après je suis resté vivant beaucoup plus longtemps que toi aussi. Donc du coup j'ai peut-être continué à taper sur des trucs. À un moment il y a un mec, je l'ai complètement déboîté. Mais c'est arrête, de concrétiser j'ai fait dingue, mon là. Projet. Genre tu vois quand j'ai heal Berlingo. Mais non mais il y en a un qui m'est arrivé dessus. Je l'ai découpé, je l'ai mis mid-life. Voilà et en fait ce gars-là que t'as mis mid-life, il est parti et en fait je l'ai poursuivi, je lui ai ramassé sa mère après avoir heal Berlingo. Et ensuite il y en a un deuxième qui est arrivé que j'ai découpé aussi et c'est ça mes 2 kills. Mais c'est quoi tes armes mec? Je suis en full SMG. T'as combien de SMG? Beaucoup. Combien? T'es combien? T'es 4? J'en ai... Ouais c'est du T4,
J'en ai... Je vais te dire ça quand le jeu aura fini de charger ses conneries. Hop, hop. Le SMG, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur mon... J'en ai 9. Et mec, c'est ouf. Il est meilleur que nous alors que c'est un healer, c'est abusé. Bah attends, mais moi je vais sur... J'ai que 2 trucs de heal, hein. Genre, oui, c'est pour ça en fait que tu sers à rien en healant en fait. Enfin, que tu sers à rien, non, mais que je sers à rien, mais. Tu non, mais le heal. Tu pouvais pas out-heal les gens, quoi. Le heal, de toute façon, il ne peut pas heal pendant que tu te fais tirer dessus. Tu feras toujours beaucoup moins de heal que ce que les gens sont capables de faire des dégâts. Le heal, l'idée, c'est qu'en gros, tu recules, tu te mets à couvert et je peux te remonter vite fait avant que tu repartes. Et ce qui fait que du coup, au lieu de mourir, tu récupères de la santé. Et ça te permet aussi de récupérer des armes, etc. Si t'as perdu tes armes, tu te fous à couvert et on peut récupérer tes armes. C'est à ça qui sert le heal. C'est pas, je vais pas outfit tout mon vaisseau en full heal et te suivre en mode. ça ne marche pas. Et surtout, j'ai besoin de me défendre aussi parce que tu t'en rends pas compte. Mais toi, quand tu te mets à avancer en poursuivant un mec, etc. et que je suis derrière toi en train de te heal, moi j'ai un mec qui m'arrive dans le cul. Si je peux pas me défendre, je suis totalement d'accord. On est bien d'accord. Projet de camion avance. Donc stratégiquement le heal il est vachement intéressant parce que surtout sur ce mode là où tu peux pas heal du tout, il est ultra intéressant d'en avoir, mais il n'y a pas besoin d'avoir 4 milliards. Je vois. Sur mon outfit T5 à la base de ce truc là, j'ai plus de heal en fait. J'ai 4 heals à la place. Mais après en vrai j'ai trouvé que Berlingo je l'avais heal assez vite, hein, mine de rien. Je sais pas, beaucoup de PV quoi, comparé à... Ouais, mais en vrai, quand je me suis mis sur toi, ta santé elle est remontée vachement vite. Hein. Bah moi je me faisais défoncer la gueule donc... Ouais, mais le truc c'est que c'est pareil, tu te rends pas compte que tu te fais heal quand je te heal, Pocket, parce qu'il y a un mec en face qui te tire dessus. J'ai bien vu justement que tu me remontais. J'ai bien vu que ma vie remontait, mais... Et le heal est pas une arme qui va très très vite aussi. Par contre ça heal pas mal, hein. Ça fait 25 000 par boule verte que tu récupères. Alors attends, 2 secondes. Mais 25 000 par boule verte que tu récupères dans la gueule, ce sera toujours plus lent qu'un mec avec un chain gun ou un je sais pas quoi qui te... Mais moi, mon chain gun, justement, là, j'en avais deux, il faisait pas tant de dégâts que ça, quoi. Le chain gun, il fait des dégâts que de très près. Il fait des dégâts que de très près et il faut absolument que tu le gardes tout le temps appuyé, en fait, quand le... Bah oui, c'est ce que je faisais, moi. Mais ça spread beaucoup en fait, ce qui fait que du coup, dès que le mec... Ça spread beaucoup et je pense qu'il doit y avoir un fall down sur les dégâts par rapport à la distance. Ouais, je confirme, les cubes lourds ont 1000 HP de plus que les cubes normaux. Donc, aucune explication. Les SMG, en vrai, c'est une arme vraiment ultra équilibrée. Les autres trucs, c'est beaucoup moins équilibré et du coup, t'as des quirks un peu bizarres. Ah, attends, j'ai essayé les SMG du coup. 2 secondes, désolé, je suis pas tout de suite avec vous en game parce que... C'est terrible. Je veux pas concrétiser mon projet. Parce que c'est notre projet. Bisous à toi, JPP. Mais non, mais ça m'énerve. Bye bye, JPP, bonne soirée. Au revoir, bon week-end. Ça m'énerve. Il me faut plein d'argent. N'empêche, vu la date qu'on est, on aurait dû tous faire des robots poissons. C'est vrai. Le groupe avec 3 robots poissons. Oh, au pire, ça doit être trouvable. Hein. De préfets. Poissons. Des préfabriqués. Attends, parce que du coup, faut que je regarde la vite fait là. Cadence de tir max. Ah oui, voilà, en fait, t'as pas besoin d'avoir plus de 4 guns. Hein. En fait, pour être en cadence de tir max sur les lasers. Ouais. Mais le truc, c'est que tu les perds petit à petit et qu'ils sont pas forcément tous en face de... Ah oui, c'est vrai. De ton ennemi à tout moment. Ah oui, voilà, c'est ça, t'as plus de physique, plus de dégâts. Ah putain, oui, l'aspect tu les perds, j'y avais pas pensé. Donc t'as pas besoin d'avoir 100 milliards. Et je pense qu'avec les trucs de heal, je sais pas quel est le maximum de la cadence de tir, mais à tous les coups, tu peux pas forcément avoir beaucoup plus que ce que j'ai avec 2. Justement pour éviter que je me remplisse de trucs de heal et que... Et tu vois par exemple le canon automatique, bah j'étais censé être à la meilleure cadence de tir possible.
Et bah ça faisait rien. Les deux, c'est ça, les... Ouais, ouais, c'est ça, c'est deux. Mmh. Bah moi, je sais que le T5, il fait très très mal. Le T5 sur mon... Mais apparemment, le T4, c'est méta. L'autre fois, il disait que le T4, c'était méta. Donc, bon. Ouais, il disait que c'était méta. Mais après, le SMG, je pense qu'il est beaucoup plus fort à moyenne distance, en général. Et après, c'est aussi une question de... Peut-être les autres joueurs, ils savent un peu plus quoi viser, et du coup, ils te les font perdre. Ils te font perdre tes canons, et après, tu fais beaucoup moins de dégâts, alors que toi, tu vises pas correctement leurs canons, ou des trucs comme ça. Genre. Je sais pas, avec le Chain Gun T4, je sais pas trop comment tu t'en sors. Moi je te dis, mon Chain Gun T5 mon Chain Gun T5 sur mon espèce de Gundam là, il fait des gros dégâts en vrai. Bon, mais de toute façon, déjà mon objectif pour la prochaine fois, c'est de refaire mon robot en lourd. Module bouclier, hop, on va jouer avec deux modules du coup. Voilà, hop. Très bien. Voilà. Hello Sorut, comment ça va? Achievement, hello, get Sorut. Diamonds. Ah oui, j'avoue Sorut, tu t'es pris 12 mois du coup là. Sorut, il se met yarmes. Il est bleu. Sorut, il se met yarmes. Bah écoute, j'ai tenté une nouvelle stratégie commerciale la dernière fois. Ruby est parti au lit et je lui ai dit, oublie pas de sub avant de partir. Un sub et au lit, et il l'a fait. Donc ah non, c'était Ruby a fait ça. Il a offert à je sais plus qui, et après c'est Auron, il l'a suivi du coup. Donc là, je suis en train de tenter de développer un nouveau modèle commercial, là. Un sub et au lit. À base de j'arnaque les viewers sur des vieux dictons à la con. Mm. Et écoute, pour l'instant, ça va. Tu leur fais perdre leur argent et derrière, tu gagnes 1,70€. Et j'enrichis Papa Bezos pour qu'il continue à faire des fusées. Parce que exactement. Fusées. Bon, voilà, il va mieux, là. Il va mieux, mon robot. Bon, j'ai mis qu'un seul truc de DPS et en même temps j'ai pas forcément besoin de plus du coup. C'est vrai qu'il est énervant le petit bruit d'attente là. Ouais, désolé. Il est un sup hein. Désolé. Ouais. Parce que j'entends parce que depuis je me mets toujours prêt mais ça fait vrai. Ah oui. C'est très énervant. Oui, pardon, à partir de 12 mois ça commence à déconner. Aïe. Jusqu'à 2000 UC. Et bah quoi, j'ai dépassé 2000 UC? Oh mon dos. Putain, je suis à 2049 UC, ta race. Désolé. Ça c'est chiant. Bah, augmente ton air. Non, il faut que je sois à 2000 UC. Au-dessus de 2000 UC, c'est les robots spéciaux qui montent à 10 000 et c'est pas les mêmes parties. C'est le TM en fait. C'est le tiers, je sais plus ce que c'est le truc, Megabot. Ouais, je crois que c'est Megabot. Mais en gros, le tiers Megabot, c'est pour des parties spéciales. Hmm. Et... Désolé, du coup, je suis en train d'enlever des blocs en dessous là. Il me faut de l'argent, j'en ai vraiment marre. Cette société économique. Bien. We live in a society. Yes. Of course. Aïe. Ok. C'est bon. Allez. Megabot, ça c'est du nom. Entre Papa Bezos et Naïm Boss, on a une bonne famille ici. Bah ouais, Megabot, ça c'est du nom. Si avec ça, ton gamin il veut pas le Megabot à la télé. Oh ouais, là 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 là. Megabot. Megabot. Mais y'avait pas un manga comme ça? Megabot. Mais pourquoi t'es en TM, Chou? Quoi? Pourquoi je suis en TM quoi? Non, je suis en T4. Hein. Non mais mec, c'est ton jeu qui charge toujours pas là. Oui, effectivement, t'es à 2000 piles. Ouais, effectivement. T'as un Bernard ouais, Bouille, c'est mon jeu 400. Qui avait pas... Mais j'ai plus d'argent. Mais comment ça, plus d'argent? Les cubes, tu peux mettre à l'infini, non? Oui, mais il a besoin de poussière verte pour passer de poussière verte pour avoir pour ma limite d'air. Parce que t'es limité à 1400. De... D'accord. En fait, il va passer 1400 à 1750 et après il va passer 1750 à 2000, je crois. Oh, et pour ça, chaque upgrade, il faut de l'argent. 50 000 poussières. Mais noob aussi, merde. Oh, doucement sur les mots quand même. Putain, j'en ai marre de jouer avec des PU là. Et je vais réussir à trouver un moyen d'activer le tir allié et t'es mort. Allez. On reste avec ensemble hein. Camion là. Oh, c'est terrible, je me prends des tacles dès le début. Et comment ça, tu prends des tacles? Qui t'a taclé? Bah, un mec. Ouais, c'est les mecs qui trempent dedans, hein. Ça... J'ai vu ça, bah, hein, mais vous galérez. T'es vachement rapide. Bah ouais. Hop, je suis déjà en train de capturer en fait. Est-ce que t'as 4 potes?
J'ai le module bouclier, rassurez-vous. Tire là, t'envoies des cartons d'invitation. Berlingo, son robot, il est en train de galérer. Il nous a fait une petite gigue là. Mais regarde, quand je tourne, ça fait 360. J'avoue que c'est pas forcément le meilleur design. C'est pas incroyable, en vrai, Berlingo, hein, sans vouloir triquiter là. On dirait un peu Bob l'éponge, mais en version OGM. Putain. C'est très. Bah, le marteau découpateur 2000 là, il. Mais mec, il a posé un bouclier. Tu t'es juste pas mis derrière. Casse le bouclier. Robot en haut, robot en l'air. Xéphienne. Ouais, il lance des grenades. Ok. J'ai reçu. C'est pas des grenades, je crois, c'était des missiles. Y'a Xéphienne qui se planque en l'air là. Je me suis pris un coup dans la tête. Regarde, je vais faire des 360. Hop, t'es prêt? Attends, j'y arrive plus. Oh zut, c'est terrible. Hop là! Et le bouclard, ça les empêche tellement d'avancer, c'est trop bien. Bon, tu peux de flanquer et d'aller à leur point et d'arriver par derrière. Est-ce que quelqu'un me presse sur le groupe de 3 avec moi? Allez-y, go. Si maintenant! J'arrive, hein. T'es où? Je suis derrière, je suis à leur base. Je suis en train de cap et de presse en même temps. Aïe, je me fais agresser par Steam User 66. Je suis en train de presse mais j'arrive pas trop. Mais j'ai réussi à prendre un tiers. Et je me prends des balais. Il y a un mec en haut là, il y a pressez pas avec moi en fait. À l'aide, Druin. Au secours. Vous pressez pas avec moi. Vous étiez pas en train de presser du tout. Tu te fais agresser par un musculaire, c'est grave, il est très musclé. Il est musclé. Allez, Druin. Aïe. S'il te plaît, j'ai des trous. Oui, mais moi j'ai des trous aussi, t'as vu ma gueule? Il me manque la moitié de ma carte. Perdez pas le middle, perdez pas le middle. Merci. Attends, on est en train de se heal là. Ouais, j'ai vu ça. Merci bien. J'ai 98% de ma santé. Putain, j'ai 5 secondes avant de respawn, quoi, quel enfer. Ma connexion c'est de pire en pire. Ah! Ah, regarde, y a Steam User là, il faut pas le laisser prendre. C'est pas ok, je pensais que c'était mode match à mort, mais c'est pas. Non, c'est mode machin, c'est pour ça, quand je vous dis pressons, il faut presser. Mec, Xéphienne il m'énerve, il fait mal. Ouais, Xéphienne il est chiant. Pour ça, moi j'ai le module de bouclier. Musculaire! Oh, il s'envole. Xéphienne à la base, Moi j'ai tué Xéphienne. Mon destroyer en T5, il est fait pour détruire les trucs comme Xéphienne en fait. Ah, y'en a un qui me tire dessus. Je suis là. Ah là, mais si je mets des 360 de scope, c'est incroyable. Putain, mais Berlingo, tu bloques mes tirs, bâtard. Tant pis. Et voilà, j'ai un assist à cause de toi. Regarde. Hop là, on fait danse, bra. Hop là, je bloque tes tirs. Mais mec, mais t'es sérieux? Putain, mais du coup, j'ai un assist sur Steam User là. Bâtard! Ils sont en train de prendre notre point. Ah! Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais j'ai réussi à atteindre le point comme ça. J'ai perdu la moitié de moi-même. Ah oui, t'as des tirs de sniper, ça fait mal ça. À l'aide! Ils sont en train de revenir sur le cube pour protéger le cube. Je suis coupé en deux. Je suis revenu à ma forme originale. Détruisez ses armes. Je suis Palkia. Oh. Non! Oh putain, mais qui? Quelqu'un s'est dit qu'il allait me percuter. Mais oui, mais lui il fait des tacles à tout le monde, ce mec est en fou. Je suis en train de faire de la merde, je fous le troll. Oh oui! Vas-y, sauve-moi des Cooper Chan! Des coupes à tour de mine. Putain, R9. C'est bon, il en va. Salut! Hop là! Hop là! Plus grand chose. Let's go! Putain, mais il va plus vite que moi lui! Comment ça se fait? C'est lui, il vole. Les volants ils vont vite? Les trucs volants vont très vite. Il va mourir, Evangelion. Bon. Ah ouais, là t'as déconné, Evangelion, ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, mon robot? C'est la fin? Pour moi. Oh, j'arrive, Lorine. J'ai un trou. Recule. J'essaye, mais musclé. T'es mort, recule, mec, ils sont pleins, là. Je
sont très très nombreux. Waouh, je vais crever. J'ai peur. Je vais crever. J'ai perdu moi. Il y a Steam User qui est en train de me casser la tête là. Je suis décapité. Ok, vous derrière. En vrai, Yumo. Plank top, ok. Bisous à toi, Yumo. Bye Yumu, bonne soirée. Par contre, mon robot, dès qu'il perd une patte, il se retourne. C'est horrible. Ouais, ça c'est toujours le truc problématique, c'est que dès que tu perds des bouts et que tu. Dès que tu galères en perdant des bouts, c'est chiant. Ah putain, Xephian est en train de me ken. Attends, vraiment, tu sortes du gars avec son sniper. Faut que je me redresse. Mais putain, le problème c'est que tu m'as niqué une patte. Je vais le buter. Ah ouais, j'essaie de te la réparer depuis tout à l'heure, mais il s'arrête pas de tirer en fait. Il est en train de passer par en haut. J'en doute pas. Ouais, il est au-dessus. Il est où? C'est bon, t'es réparé là. Pas encore tout à fait, mais. Ouais, enfin, t'es globalement pas trop mal là. Mais putain, mon robot il se redresse pas! Pourquoi est-ce que quand j'appuie sur la touche F, ça fait de la merde? Du coup, des bisous à Yumu, je sais pas si t'es de la partie ou pas, mais. Oui. Non, mais vas-y, il se jette sur toi, il se planque de mes coups quoi! J'ai perdu deux pattes, génial. Moi j'ai perdu tout mon corps. Mais Xephian il est trop. Xephian il est chiant. Vraiment, un coup il me décapite, un autre coup il me coupe en deux. Puis il reste juste deux pattes. Ok, le cristal. Et il faut quand même choper ça. Portez-toi. Ok. Pour cyberharcèlement. Xephian il est pas résistant hein. Non. Putain, il faut buter Arnine hein. Il tape sur le cristal comme un bâtard. Oh, il y a trop de monde là. Il y a Arnine musculaire. Ah putain fin, faut les empêcher de tirer à tout prix. Ils vont nous ken. Mon robot est à l'envers. Ils sont où? Je suis sur la tête, c'est terrible. Ils sont au milieu. Ils sont juste en train de tirer sur le truc. Ils vont ken. Putain, j'ai eu Arnine. Il reste qui là? Il reste Muscular qui est loin. Il l'a pas. Bim! Xephian! Bim, Muscular! Oh là, c'est honteux. Par contre, il faut qu'on aille choper des bases, les cocos. Ouais. Ok, ça se bagarre là. Ah, ils nous respawn sur. Voilà, forcément. Ouais. Bah oui, on les a tous tués donc ils sont tous de leur côté. Ouais. Ah, mais c'est pas grave, regarde. Voilà, on avance. Avançons sur eux. Oh putain! Alors j'ai pris un truc sniper dans les pattes. Cours, recule. Prends-toi. Putain, il y en a deux derrière. Ah, on est mort, mais dans l'eau, je pense. Tu veux une balayer? Je pense qu'on est canon, ouais. Ah ouais. Oh là, waouh! Et bah, on a pris les 5 sur la gueule. On a capturé leurs points cependant, donc en vrai, ils sont en train de. Ils ont give up, hein, je crois. Hein. Ils sont en train de tuer Berlingo au sol plutôt que de récupérer leur base. Je pense qu'ils ont give up. Bon, on s'est bien battu! Voilà, c'est bien battu là. La première fois de la game. Ça c'était une bonne partie. Ouais. Je préfère ce mode de jeu là hein, en vrai. Ouais, je trouve vachement mieux aussi ouais. Voilà, 3 kills. Tiens, 9 kills de Sarly quoi. Regarde mes dégâts là. Mec, je comprends pas en vrai mes dégâts. Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas. Je dois trop mal viser, peut-être. Je sais pas. Ouais, en fait, il y a des trucs parfois qui sont pas. Sarly est passé violet. Il y a des trucs qui sont pas. Ils sont pas super intuitifs sur la visée, en fait. Le truc, c'est que très souvent, tu te fais piéger parce que t'es pas dans un angle où tu peux tirer. Et du coup, tu as l'impression de tirer, mais en fait, t'as la moitié de tes armes qui peuvent pas. Et du coup, ben, t'as les trois quarts des coups qui partent dans ta carlingue. Et vos armes, elles sont toujours niveau 1 là ou elles sont niveau 2?
Ah non, moi elles sont toutes niveau 1. 3. Ah ouais, voilà, ok, on est d'accord. Moi elles sont full niveau 1. Enfin, j'ai un laser C2 puissance 3. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde si je peux les améliorer. Ouais, mais il a un C2, moi j'ai des C4. Ça y est. Oui. Ah, j'ai l'amélioration là, ça y est, ça y est, ça y est. J'ai bientôt les C5. 27 regarde, par contre, voilà. Dans un point, j'ai les mes jambes C5. Mais déjà, faudra que je refasse tout mon robot en cube lourd, quoi. Obligé. Après, fais gaffe parce que si tu passes les jambes C5, on passe en tier 5 forcément. Oui. Oui, oui, c'est pour et ça qu'il faut que tu restes en et C4. Et des jambes C5 alors que t'as pas d'arme 5. Non, 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 gros, ouais. go reste en C4. Go reste en C4, c'est très bien. Ok, ben je vais chercher MDC3 alors. Attends, alors moi je vais essayer de voir si je peux améliorer mes armes. Du coup, le diaporama de live en 1480, en 144p. Non, je peux pas du tout améliorer mes armes. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais ça donne un certain style. C2. Ah, il faut absolument que je le refasse entièrement en cube lourd. Aucune raison de pas le faire. Je pense que je vais gagner. Je sais pas combien j'ai de cubes à remplacer là, mais. Si t'as le son, c'est bien. C'est vrai que ce rut, si t'as le son, c'est bien. T'as le son et le chat. Pour remplacer. Et ton robot va être tellement lourd qu'il va plus bouger. Et comment ça, mon robot va être tellement lourd qu'il va plus bouger? En fait, là, la problématique que j'ai avec mon robot actuellement, c'est que je lui aurais bien rajouté une paire de pattes. Le problème, c'est que je pense en que fait, ça passe faut que... pas. Non, en fait, si tu regardes parce que je me les... fais trop vite découper, en fait. En fait, si tu regardes ton truc, la façon dont c'est foutu... En gros, ta part de, tu prends une patte, ta patte elle a un poids maximum qu'elle peut soulever. Fais voir. Et du coup, si tu. Du ça. Coup, si ton robot est plus lourd que ce que les pattes sont capables de soulever, tu te retrouves après à. Mais tu vois ça où, mec? Je sais plus. Quand tu regardes la part de patte, là tu fais tabulation. Hein. C'est parti ça. Mais non. Hein. Mais non, c'est pour ça que t'as des pattes de différents tiers. Où c'est que c'est écrit? C'est pas pour la santé les tiers? Ils ont rajouté. C'est ça, c'est pour la santé et le poids. C'est que pour la santé maintenant? Bah ouais. Ils l'ont enlevé fini, ce hein. truc là. Bah et ça augmente le poids aussi. Non, coup, ils l'ont, alors ils, effectivement, ils ont l'air de l'avoir enlevé sur les pattes. Ils l'ont gardé par contre sur tout ce qui est aéropale et sur les rotors. Ah, les putain, rotors, je... tu vois, ah, oui, base j'avoue. De transport. Optimal. Ouais, ouais, ouais. Donc en gros, et en fait... ouais, ouais. Et en fait, effectivement, il semblerait qu'il ait enlevé des pattes et des roues, ce qui me surprend. Bah, ce qui est trop bien, c'est parfait, c'est cheat du coup. Ce qui me surprend. Et en même temps, bah, c'est un équilibrage du coup. Ça veut dire que les pattes et les roues, t'es cloué au sol, mais au moins, tu t'en bats les couilles de ton poids. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais du coup, quel est l'intérêt des chenilles? Parce qu'en fait, à la base, t'es un plus des trucs. Stable que les roues. Un des trucs spéciaux avec les chenilles, c'est surtout que tu pouvais mettre beaucoup plus de poids sur les chenilles que tu pouvais en mettre sur des roues, typiquement. Ça a 3 fois plus de santé. Ouais, bah j'espère bien. Pardon, pas 3, 2 fois. Non, 1,5 fois. J'espère bien, tu prends des chenilles C4, ça fait... Buffering gauche de boue. Ça fait 180 km/h des chenilles C4. De toute façon, toutes les chenilles font la même vitesse en fait. Ça prend hein. Et si tu prends des roues C4, c'est 50 pétaflops et 220 km/h. Donc encore heureux que les chenilles ont plus de santé, quoi. En fait, moi, il faut que je trouve une alternative à quand j'ai une patte qui tombe. Parce que ça arrive trop facilement, en fait. Il me dégomme une patte et on n'en parle plus, quoi. C'est toi le pétaflop. Ouf. J'aurais pas aimé. Je me suis personnellement, je me suis battu. Directement, ça sort les insultes. Oui, c'est la violence. Bon, est-ce qu'on relance une partie? Relançons une partie. Je vais peut-être juste faire une petite modif qui vient de me traverser l'esprit là. Désolé, c'est juste que je viens de le voir et j'étais en mode putain, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est. Quel sens? Ah merde, pas non. Est-ce que je change de robot pour le okay. Lulz? Parce que j'ai quand même Drunken Mosquito aussi.
T'as quand même Drunken Mosquito aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie de te voir jouer sur Drunken Mosquito? Enfin, c'est les points d'attache des pattes. Mais c'est les pattes qui me dégomment en fait, sur Ruth. C'est pas les points d'attache des pattes, c'est les pattes tout court qui réussissent à me péter. Est-ce que tu veux voir Drunken Mosquito? Je suis pas vraiment sûr de vouloir voir Drunken Mosquito en vrai. Pourtant, il est très drôle, Drunken Mosquito. Je sais pas pourquoi, j'ai un instinct. J'ai un instinct, je me dis Drunken Mosquito, c'est pas le bon plan. Je sais pas. Il y a un truc au fond de moi qui me dit. C'est un robot dont la particularité c'est d'utiliser des Tesla Blade et d'être volant. C'est un drone avec des Tesla Blade. Ah putain, attends, mais c'est la dernière Aldruin en fait. Donc Sorut soulève un bon point. On veut voir Drunken Mosquito pour la dernière. Ah, ils veulent voir Drunken Mosquito pour la dernière. Ah, on veut voir Drunken Mosquito pour la dernière. Est-ce que je vais arriver à jouer Drunken Mosquito? Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je vais me faire déboîter. Allez, c'est Tipar. Allez-y. Ah, je vous laisse lancer quand vous êtes prêts. Sounds like a plan. Je crois me souvenir que un des problèmes de mes bots, c'est que en général ils sont très fun, mais ils sont très difficiles à piloter. Mais t'es pas ingénieur en aéronautique, quoi. Voilà. Et du coup, mais tu vois, le Grand Destroyer, là sur la dernière partie, je m'en sortais pas trop mal, et la partie d'avant aussi. Mais la première partie qu'on a lancée avec, j'arrêtais pas de me retourner. Parce qu'en fait, il a trop de poussée sur l'arrière. Et je crois que Drunken Mosquito, il y a des conneries comme ça. En plus, Drunken Mosquito, tu l'as pas mis à jour. Tu l'as pas mis à jour avec les nouveaux critères de poids ou les trucs comme ça. Le truc, il va appuyer sur avancer. Le Drunken Mosquito, il va décoller comme ça là. Pii. Ça va être incroyable. En plus, il a des armes de heal en dessous, il a des armes à tête chercheuse en dessus et il a des Tesla Blade à l'avant. Faut un permis de pilotage type SpaceX pour le jouer. Type SpaceX, en fait, tu sais, c'est l'entraînement alternatif de SpaceX. On te met dans la machine qui tourne là, où t'es à 8G, mais c'est pas 8G de gravité, c'est 8 grammes d'alcool dans le sang. Oui. Et tu tournes comme ça. Oui. Bon, par contre, va falloir que tu montres Drunken Mosquito. Bah, bien sûr, je vais regarder. Voilà. Je vais observer le début de partie là. 850 UC, oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est terrible. Attends, mec, ah, c'est quoi? Putain, c'est du tête chercheuse. Mec, oh là là. J'ai peur. Oh là 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 là. J'ai très peur. Avec ton découpe Atix qui fait le tiers des dégâts de mon Grand Destroyer, hein. Mec, mais en vrai, je comprends pas, je dois juste très mal viser. Mais en vrai, je t'assure, je m'explique pas parce que je touche les ennemis sur mon... Alors, il y a des gros moments où je suis dans la merde et où j'arrive pas à toucher les gens, mais quand même. De là à faire le tiers de tes dégâts, je comprends pas. Là, je pense que t'auras peut-être plus de chances de... Mec, si tu fais plus de dégâts que moi avec le Drunken Mosquito, ah, je suis voilà, barré, il est là, quoi. Il est là, regarde le Drunken Mosquito. Alors de mémoire, il y a une blague. Non, c'est bon, il a l'air plus ou moins pilotable. Attends, alors ça c'est mes... Oui, très bien. En vrai, ça va, hein. Il est drôle. Oh. Il s'en sort bien, hein. Non, il a l'air pilotable. Allez, go, mode combat. Ah, c'est que je vise très mal en fait. C'est que je vise très mal en fait. Berlingo, t'es allé au milieu là. Berlingo, t'es parti un peu loin, ouais. Mec, tu vas te faire découper là. Putain, ils m'ont eu une patte, les bâtards. Oh là là. Ah, il y en a un qui m'est arrivé dans le dos. Oh non. J'allais m'en sortir, mais on m'est arrivé dans le dos. Déjà la fin de l'épopée de Mosquito. Quelle va être la strat avec le Mosquito, parce que... Ok, donc là j'ai besoin de me planquer, moi, vite fait. Le temps de régène, je vais flanquer. Voilà, mon robot, c'est terrible. Le PogChamp qui fait la gueule aujourd'hui? Comment ça, le PogChamp qui fait la gueule? Putain, mes pattes repoussent.
Comment ça le PogChamp qui fait la gueule? Y'a pas de PogChamp, y'a plus de PogChamp, c'est fini. Ah mais non mais si, mais c'est le lézard. Mais pourquoi tu dis qu'il fait la gueule? Il est très bien, c'est le même. Parce qu'en fait il a la bouche fermée, le lézard. Hein? Comment ça? Si tu regardes le lézard. Bah non, il a la bouche ouverte. Je crois que j'ai du cache de ouf sur mon navigateur, sur mon Firefox là. Ah, c'est possible qu'il y ait ça. Ed, y'a quoi? Y'a notre copain qui m'attaque. Au secours. I guess it's the end for me. Oh là là. J'ai clutch. Putain, je me fais encore ken. Je suis en train de me faire niquer dans un coin là. Je suis en train de me faire enculer dans un coin là. Au secours. Oh. Mais quoi? Je vais te manger. Bah le middle, attention, y'a quelqu'un qui arrive. Je vais te manger. Tu ne seras pas mort. Y'en a un autre, y'a Schizomur qui arrive là. Mais Berlingo, oh, tu t'es pas du tout en train de me venger, mec, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quand je tourne avec mon robot, il fait de 360. Mais mec, mais putain. C'est pas mais vrai. Putain. Ah oui, du coup, c'est le poisson d'avril de Twitch, mais moi je le vois pas du coup, leur poisson d'avril, parce que j'ai du cache sur mon navigateur. On est en retard là. Hein. J'ai essayé de neutraliser l'adversaire, je me suis fait neutraliser. Dans le cas de Mosquito est pas fou dès qu'il y a beaucoup d'ennemis quand même. Comme si un. Je suis en 2v1, mais non, putain. Au secours, Berlingo, il faut que tu m'aides. Mais j'ai plus de fusil. Le corps, il faut qu'on aille gérer le corps ou qu'on prenne le middle. Je pense qu'il faut qu'on prenne le middle plutôt que le corps. Et là, la table. Oh non. Ah ouais, si y en a un deuxième qui arrive, ça va pas le faire. Putain! Oh, le mec là, il a des lames partout. Faut tuer Cocao là, voilà. Voilà. Go prendre le middle, go prendre le middle. Ah putain, tu m'as fait un croche-patte. Ah, et le school, l'autre il me fonce derrière toi, Aldwin. Derrière, Aldwin. Attends. Aldwin, déconne pas, mec, je vais mourir. Oui, mais moi j'ai un mec devant moi aussi, tu vas bien? Putain. Il est mignon lui. Là je suis mort, je suis foutu. Ah j'ai vers la gauche, je pense que tu pourras pas me sauver en vrai. Ouais je pense que je suis foutu là. Non mais mec tu pourras pas, t'as 2v1 là. Mais ils font quoi nos deux mates derrière là, sur notre base? Ils sont en train de se battre, ils sont en train de se faire découper. On se fait découper sur tous les fronts en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font les deux sur la base là? Ah mais ils sont AFK. Oh, rien. Au secours. Il faut qu'on réussisse à reprendre le middle là. C'est terrible. J'ai mis dans le flood, merci. Duncan Berlingo. Mais c'est pas ma faute si j'ai des problèmes. Ah mais il est AFK Swarm machin là. Machin Linux là. C'est est-ce que 4 pattes c'est pas fait pour tourner. Bah, alors c'est comme si. Que... C'est comme si tu demandais à un chien de tourner de façon naturelle. Oh, il y a un truc derrière nous là. Il peut pas, c'est physiquement impossible. Il y a les 157 là. Parce que pas tourner les 4. Il y a le monde entier qui est en train d'arriver sur notre point. Bah ouais, en même temps on est. Je suis en train de. Voilà, je me suis fait défoncer. Il y a 3 mecs qui sont arrivés après que tu sois parti. Je me fais tabasser par une boîte. La boîte elle esquive tout. KSA il va me défoncer là. Ouais, en plus il peut passer au-dessus du machin lui avec son truc. On va aller reprendre notre point proche si j'y arrive. J'ai beaucoup de points éloignés. Je vais crever, je pense. Oh là là, ils sont 3 sur ma tête. Non, c'est pas grave, on reprend le point proche. Ils arrivent par paquet de 4 là. Ouais, ils restent ensemble.
Berlingot n'y va pas tout seul, hein, mec. Hein. Berlingot revient, ah, Berlingot, en fait. T'es foutu, il est foutu. Reculez, vous en forcez pas dedans tout seul. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que l'autre il y va si tu veux. Défendez le milieu. Aïe 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 aïe. Y'a KSA en haut là, y'a KSA en l'air. Ouais, mais les alliés qui me rentrent dedans, mais au secours. Laissez-moi à l'endroit SVP quoi. Bon, faudrait aller détruire ce truc, mais. Ouais, on va pas réussir là, on va pas y arriver. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, je sais pas. Y'a là, fais gaffe. Un mec derrière. J'essaye. Et tu tentes le cristal au milieu là? Bah, mec, t'es parti tout seul, je crois. Ouais, ouais, mais j'en ai fait le tiers du cristal. J'arrive, je vais essayer de faire l'autre tiers là. J'essaie de faire le reste, mais je pense pas que j'y arriverai. Hein. En fait, le problème c'est que quand bien même on fait le cristal, on n'a pas les. Ouais, tu vois, là, il reste 25 secondes, je réponds. Ouais, ouais, bah faut reprendre. Faut reprendre. Quoique. Ouais, y'a moyen, hein. Qui est en train de m'aider là-dessus là? Berlingot, vas-y, tire, défonce le cristal au milieu. Défonce le cristal. Tire. Oh. Allez. Non. Oh, non, oh, c'est tellement sale. Oh, c'est si crade. C'est dead. Oh. C'est dead. Ouais, ok. Bah là. Là, c'est perdu. Franchement, le cristal, c'était à une seconde, quoi. Mais j'avais plus qu'un petit fusil. C'était à une seconde. Vous y seriez allé plus tôt, ouais. Il était faisable. C'est ouais. Dommage, c'est la game où j'ai tout cassé. La seule game où je fais un score décent, on perd quoi. Et bisous à toi, Sorut. Qu'est-ce qu'il faut, quoi. Bah, c'est moi qui ai pas vraiment un score super ouf. C'est le retour de la boîte éphémère. J'ai jamais vu une boîte aussi. Oh merde, mais putain, what the fuck. Attends, recule, Adrien. Ils sont 4 et on est 2. C'est pas du tout où sont nos alliés. Bah mort. Sur Linux il fait rien depuis le début de la game. Le truc c'est qu'on a un gars qui fait rien et moi j'ai le Drunken Mosquito qui est pas forcément non plus le truc le plus fou sous le soleil. Prenons middle. Si on va prendre le point éloigné, on peut peut-être s'en sortir. Si on réussit à prendre le point éloigné maintenant. Genre go. Ah, je suis en train de l'essayer le point éloigné, mais je me suis fait défoncer. C'est dead. Il y a 6 qui essayent d'y aller là, mais. Ah, ils le défendent trop bien. Ouais, ils sont en train de prendre notre point proche, C'est mort. Ah, ils ont notre point proche, c'est fini. GG à eux. Putain, on s'est bien battu, hein. J'aurais eu le Grand Destroyer, ça se faisait en fait. Aïe 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 aïe, du coup, c'est moi qui ai carry la game, dégâts. Quoi. Incroyable. J'aurais fait beaucoup plus de dégâts si j'avais eu le Destroyer. Alors, la question que je me pose quand même, c'est comment est-ce que je suis passé de 10747, enfin de, pardon, 500 à 10747. J'ai pas joué différemment, hein. Bah, je sais pas, peut-être que tu visais mieux dedans. La partie a duré longtemps, il y a eu beaucoup de combats. Hein. Ah, mais mec, 500. 500, c'est chaud, 500. Il y avait moins vraiment de gens genre, qui faisaient les dégâts à ta 500, place aussi. Vraiment... Du coup, t'as eu le temps de les faire. Et peut-être ça aussi. Ah, peut-être. Parce que forcément, si t'as plus de gens qui. Mais tu vois, dans cette partie, il y a beaucoup plus de dégâts qui ont été faits que dans la partie d'avant, hein, déjà. Dans la partie d'avant, il n'y a pas eu autant de dégâts, il n'y a pas eu autant de confrontations, c'était beaucoup plus derrière des murs et derrière des. Moi, là, c'était bien. Très frontal sur cette partie-là. Bon.
Tu vois, même avec mon Drunken Mosquito, j'ai fait 3500 alors que le truc il est. Par contre, le truc rouge là, il est. C'est quoi qu'il a en fait devant? Ah, mais c'est des milliards de. Oui, oui, non, oui. Il a 15 000 trucs plein de pour Tesla te foncer dessus. Oui, oui, c'est plein de Tesla. Ouais. Ok. C'est plein de Tesla ensuite, pour te foncer sur la gueule et te casser la tête. Et il a rien d'autre. Ouais. Il a que ça, genre il te bouffe dans les Tesla quoi. Ouais, il te fonce dans les Tesla. C'est Elon Musk le gars. Le Coaco par contre lui il était vraiment pas fort quoi. J'achète des boucliers, hop. Coaco il est vraiment. Je pense que d'ici la prochaine fois j'aurai refait mon robot en méga méga solide. Et puis voilà. Bonne soirée. Bonne soirée messieurs. Et puis des bisous à vous. Et demain matin on est sur Elden Ring de 9h à midi. Donc soyez en pleine forme. Parce que ça va être du PVP, ça va être trop bien. J'ai fait deux builds. Putain, du PVP quoi. Mec, en vrai, c'est assez drôle. En vrai, c'est vraiment assez drôle. Encore Elden Ring ? Ouais, maintenant je vais en faire le samedi matin et je vais me faire des petites sessions PVP là. Je sais pas, je pense que j'oscillerai entre. Il y a deux modes de jeu en fait en PVP. Soit vous faites du duel et vous êtes en mode bonjour, et ensuite vous vous mettez sur la gueule. Soit il y a les invasions, et ça c'est assez drôle. En gros, vous vous planquez. Non, vous envahissez le monde de la personne, donc elle a rien demandé, et c'est ça qui est terrible. Et en gros, vous êtes drop à un endroit. Et le but du jeu, c'est de le trouver, de le buter, pendant que lui, il essaye de faire sa progression PvE, quoi. C'est rigolo, hein. Ah, ça, c'est marrant. Mais, le twist, c'est que, quand tu es en invasion, tu es forcément en 2v1, parce que tu ne peux envahir que des gens qui sont en coop. Et en plus de ça, s'ils ont lu les items du jeu, il y a un item qui permet d'invoquer automatiquement un joueur qui s'est porté volontaire pour faire la police anti-invasion. Donc, en fait, tu peux même te retrouver en 3v1. Voilà. Donc c'est 3v1 plus les ennemis, mais c'est 3v1 tout de même. Et ça donne des trucs assez rigolos en vrai. Court mais rigolo. Bref, bon allez, des bisous les viewers. À demain matin sur Elden Ring en pleine forme. J'ai deux builds. Ciao ciao.